La vérité que nous devons enfin en appui à notre demande, c'est que notre pays voit grandir en lui, alors que la perte de confiance des citoyens s'accuse vis-à-vis des institutions et vis-à-vis des hommes qui les animent. Des instincts populaires de prédation gratuite ou vengeurs qui se combinent de plus en plus à des relents régionalistes. Il faut éteindre au plus tôt ces mèches quasiment mises à feu. Voici un extrait de la lettre adressée au président du FASO le 6 juin 2008 par l'homme visionnaire aussi bien pour l'Afrique, pour la sous-région que pour le Burkina Faso, Maître Herman Yamiogo, président de l'UNDD, Union Nationale pour la Démocratie et le Développement. Déjà en 1994, il prônait un nouveau mode de gestion de nos États dans son ouvrage « Repenser l'État africain, ses dimensions et perspectives » publié aux éditions L'Harmattan. Pour lui, le salut de l'Afrique se trouve dans une intégration véritable. Vous savez, notre période, elle est très spécifique. Elle pose des défis globaux qui s'intéressent non seulement à nos États, mais à l'Afrique et au monde entier. Quand on prend la question de la pauvreté, quand on prend le problème de l'emploi des jeunes, le sida, il y a tout un tas de problèmes, la sécurité, le terrorisme. Aucun État seul ne peut y faire face. Alors de plus en plus, on demande une mutualisation de tous les efforts au plan sous-régional, au plan international. Il faut qu'en conséquence, on aille vers une réforme de nos institutions pour transférer des compétences au niveau supranational afin d'être en mesure de faire face collectivement à ces défis-là. Voilà pourquoi nous disons qu'il ne suffit pas d'engager des réformes en interne. Il faut voir aussi que dans la sous-région, en Afrique et dans le monde, on a besoin de mieux s'organiser, d'aller vers un ordre public supranational qui nous mette plus à même de défendre ces défis globaux. Cette vision de Maître Herman Yamiogo est partagée par son parti. Voilà maintenant plus de 5 ans que l'UNDD appelle les femmes et les hommes du pays des hommes intègres à une refondation pour plus d'ancrage de la démocratie au Burkina Faso, proposant ainsi des réformes au plan politique, économique et social. Pour le parti, il faut casser l'illusion qu'un parti peut se constituer et résoudre tout seul tous les problèmes du Burkina. Seul un pacte transpolitique pourra s'attaquer de façon efficace aux maux qui minent la société burkinabé, le pacte transversal. L'UNDD a toujours considéré que la démocratie avait besoin d'être repensée. Quand on considère ce mode de gouvernement à l'époque de la Grèce antique, quand on voit comment elle a été mise en œuvre à travers toutes les révolutions démocratiques 1789, 1848, etc., on se rend compte que le monde a évolué et que de plus en plus, on ne peut plus se satisfaire d'une démocratie construite sur le binôme majorité-opposition. C'est-à-dire selon l'idée que « the winner takes all », le gagnant prend tout et laisse celui qui a perdu attendre 15, 5 ans, 10 ans pour revenir encore à la charge. Nous avons des défis qui se posent à tous. Nous avons des problèmes qu'aucun parti ne peut résoudre tout seul. Il faut évoluer vers peut-être le partage, un partage de pouvoir pour nous mettre beaucoup plus à même de régler nos problèmes. Donc nous avons pensé à la démocratie consensuelle. Donc le pacte transversal, c'est un instrument, c'est un mécanisme qui permettra de mettre en œuvre cette démocratie consensuelle. Il fait appel à toutes les structures partisanes de la société civile, en dehors de leurs considérations partisanes, idéologiques, sectorielles, pour qu'on voit les priorités du moment. Qu'est-ce qu'il faut faire ensemble pour avancer dans la problématique de la santé,
de l'éducation, des infrastructures, l'emploi des jeunes. Voilà la priorité actuellement. Et nous en parlons avec insistance parce que nous voyons que de plus en plus de pays se rendent compte et d'acteurs politiques que hors cette espèce d'union sacrée, il est difficile de faire face aux problèmes du moment. C'est le cas de la France avec Bayrou, avec De Villepin, qui en sont à dire qu'il faut le consensus, il faut privilégier l'union sacrée pour faire face à la crise de l'euro et partant encore plus à la crise mondiale. La position de l'UNDD est claire. Il faut garder la flamme du retour à la constitutionnalisation de l'alternance, mais en même temps, lutter pour prendre des mesures conservatoires qui atténuent l'impact du trop-plein de pouvoir donné à l'exécutif et contre le risque de dérive monarchique qui en découle. Vous savez, nous avons constaté depuis quelques années que dans bien des secteurs de la vie nationale, il y avait des phénomènes récurrents de manifestations et souvent violentes. Nous avons cherché à étudier pour en savoir le pourquoi. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une insatisfaction des Burkinabés par rapport au fonctionnement d'abord des institutions. Un mécontentement par rapport à la politique, par rapport aux institutions. Ils ont constaté qu'il y avait comme une désharmonie entre gouvernants et gouvernés et que les institutions qui sont censées fonctionner en synergie étaient souvent contradictoires. L'Assemblée vote des lois que l'exécutif n'arrive pas à appliquer, le judiciaire pédale à vide. Donc tout cela a amené les Burkinabés, organisés ou non, à estimer qu'il fallait réformer les institutions, qu'il fallait entrer dans un processus, une dynamique de refondation. Au-delà de la question, au-delà de la sphère politique institutionnelle, nous avons assisté aussi à des actes de prédation dus à des mécontentements au plan social. Les Koundés, les révoltes sur les casques, tout cela, les révoltes sur la faim, témoignent de ce que les Burkinabés se sont sentis quelque part délaissés pour compte de la dynamique de croissance. Et tout cela nous a amené à dire qu'il était temps de s'arrêter, de faire une pause, une réévaluation pour repartir sur de nouvelles bases. Le seul espoir qui nous reste, ce sont les réformes vu la situation qui prévalait dans le pays. L'UNDD n'est pas partie prenante aux élections présidentielles d'octobre 2010, mais saisit l'occasion pour faire le tour du Burkina Faso, visitant 10 familles par province, avec pour objectif non seulement de faire comprendre son option et de susciter l'engagement des populations pour des réformes visant à mettre en place des institutions solides, mais aussi de recueillir leurs propositions et leurs attentes. Les populations ont très bien réagi et pour toutes les localités où nous sommes passés, les populations sont sorties massivement pour venir nous écouter. Et donc, on a la tournée, en tout cas la tournée à laquelle moi j'ai participé, c'est un peu dans la zone de Pau et Combisri. En allant, en tout cas, les populations sont sorties très nombreuses quand on leur expliquait pourquoi on était là. Pour nous, ces élections 2010 là, c'était une perte de temps, de ressources et d'énergie pour des résultats connus d'avance. Parce que lorsqu'on part à des compétitions, on part avec des chances de gagner. Lorsqu'on sait qu'on peut gagner, là on peut aller. Mais lorsqu'on sait que les dés sont pipés et qu'il n'y a pas d'issue et que le gagnant est connu d'avance, pour un parti d'opposition qui a les moyens limités, ce n'est pas la peine d'aller raconter des histoires aux populations, à ses militants. Ce n'est pas la peine de faire croire à ces 20 militants que nous pouvons gagner cette présidentielle. Ils vont laisser leur travail, ils vont y mettre leurs maigres sous pour des résultats connus d'avance. Donc nous avons voulu être conséquents avec nous-mêmes, parce qu'il ne faut pas tromper les gens. Il ne faut pas faire croire ce qui est impossible. Nous, à l'étape, à cette période, nous pensons que ce n'était pas possible, étant donné les données, de remporter les présidentielles face à Blaise Compaoré. Pourquoi? Parce que le système électoral mis en place était plus ou moins biaisé. Vous avez vu, il a fallu que des représentants de l'OIF viennent ici au Burkina Faso pour dire que le fichier était plus ou moins merdique, qu'il n'y avait pas de fichier. Une chose que nous disons depuis longtemps, si le fichier n'est pas bon, s'il n'existe pas, il n'est pas fiable. Vous avez vu comment ça s'est passé aussi au Burkina Faso, avec plusieurs pièces, on s'inscrit. Avec plusieurs pièces, on peut aller, des gens peuvent avoir plusieurs cartes pour voter. Tout le processus électoral en amont et en aval était mal fait. Donc face à ce constat, nous avons dit non, on ne peut pas aller à ces élections parce que nous savons que ça ne va pas. Donc nous avons plutôt appelé les gens à réfléchir sur des réformes sur notre processus démocratique.
Nous avons appelé les gens à dire, non, ce n'est pas la peine de vous précipiter pour les élections. Retrouvons-nous ensemble, faisons le bilan de notre processus démocratique. Voyons qu'est-ce qui ne va, qu'est-ce qui ne va pas. C'est à tous les niveaux. Et essayons ensemble de trouver des mesures de manière consensuelle pour remettre notre démocratie sur des rails. Il faut aller des réformes. C'est ce qui nous a amené, à conduire dans les 13 régions encore, pour dire aux gens pourquoi nous n'allons pas aux élections. Et nous n'avons jamais invité nos militants à voter pour qui que ce soit. On ne part pas aux élections, on ne soutient pas un candidat aussi. Voilà ce qui nous a motivés à aller dans les 13 régions encore pour dire aux gens, nous ne partons pas, nous ne soutenons pas quelqu'un. Ainsi donc, de Dori à Banfora, en passant par Ouagadougou et Koudougou, de Dédougou à Fadangourouma, en passant à Zinyaré, les cadres du parti ne ménagent aucun effort pour prêcher réforme. 13 conférences régionales sont organisées dans tout le Burkina Faso. Des slogans tels que « La refondation pour restaurer la confiance », « La refondation pour un vrai pouvoir démocratique », « La redistribution des pouvoirs et des richesses par la décentralisation et l'intégration », un revenu minimum pour chaque famille sont lancés. À cette époque, pendant que les gens faisaient des campagnes disant qu'ils allaient occuper Kossiam, nous avons pris le soin de sillonner les régions pour aller rencontrer les populations, pour les parler, pour les dire qu'à l'état actuel du processus démocratique là s'impose la nécessité de réformes consensuelles. Nous sommes allés vers nos bases dans les secteurs, dans les villages, les parler de réformes, écouter leurs préoccupations, sans recenser cela, documenter cela, repartir vers ces bases pour les proposer les axes de réforme que le parti était plus ou moins à même de proposer si un dialogue inclusif avait lieu. Donc, toutes les régions ont été plus ou moins visitées et pendant que les gens parlaient des présidentielles, nous parlons de la nécessité d'approfondir la démocratie à travers des réformes consensuelles parce que nous savions que ça n'allait pas, parce que nous savions que les populations de plus en plus se désintéressent de la vie politique nationale, parce que nous savons que la participation citoyenne est plus ou moins en deçà des attentes, parce que nous savons que plus en plus les populations n'a plus foi en ces acteurs politiques. Donc notre devoir, donc, c'était de sonner le signal d'alarme pour qu'ensemble nous arrêtions, pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Entre-temps, les élections passées sans réforme entreprise, les élèves entrent dans une colère dans le premier semestre de 2011 suite à la mort d'un de leurs du nom de Justin Zongo à Koudougou. Dans presque toutes les régions du Burkina Faso, ils s'attaquent aux symboles de l'État. Les militaires entrent aussi dans la danse suite à l'incarcération de deux d'entre eux. La crise se généralise. Nous étions en réunion, il y a eu des coups de feu. Nous avons donc écouté la réunion. Et Salif, en rentrant, a été arrêté par un groupe de militaires qui sont rentrés dans son véhicule avec leurs armes, qui ont commencé à tirer par les fenêtres et qui l'ont obligé à parcourir pratiquement Ouagadougou jusque je ne sais pas où, en tirant en l'air et tout. Bon, il a fallu que lui aussi il soit très diplomate et qu'il leur explique qui il était, responsable de l'UNDD, pour qu'à un moment donné, ils acceptent de libérer. L'UNDD, attaché fortement à la paix sociale, lance le concept de la trêve patriotique et civique. Cette trêve, nous l'avons demandée quand ce pays était en pleine crise et quand tout le monde était pratiquement en danger. Nous l'avons demandée afin de restaurer ce pouvoir de l'État, afin de permettre aux populations de redonner leur confiance à l'État et d'attendre dans la sérénité que des changements arrivent sans passer obligatoirement par la violence. C'est pour ça que nous avons fait appel à Macaire. Parce que Macaire, pour nous, c'est un symbole. C'est un symbole, le président Macaire est celui qui a mis en ballotage un président qui était à l'époque au pouvoir, qui n'a pas appelé ses partisans à mettre le pays à feu et à sang quand on a donné les résultats du deuxième tour et qu'il avait perdu. Pour nous, Macaire, le président Macaire est un homme sage qui a toujours mis l'intérêt de la nation au devant des intérêts particuliers.
des partis politiques pensant le vent de la révolution arabe arriver au Faso.